Jean-Claude, quels sont les derniers points de détail que regardent les pilotes? Eh bien, vous savez, souvent les mécaniciens ont travaillé sur une voiture, ils ont dû déplacer les sièges ou modifier ou démonter un pédalier. Alors les pilotes doivent régler, parfaire ces réglages, retrouver leur position idéale. Et quelquefois, ils appellent en catastrophe justement leur mécanicien pour modifier au dernier moment quelque chose qu'ils trouvent, si vous voulez, pas conforme à leur réglage habituel, ou alors ils ont, lors de la manche précédente, et souvent il y a peu de temps entre les deux manches, justement remarqué que quelque chose ne leur convenait pas, et à ce moment-là ils doivent procéder à ces modifications. Et puis en plus, quelquefois vous avez aussi des changements de temps. Lorsque le temps est variable, il faut attendre souvent la dernière minute pour faire son choix de pneumatique, et donc toute l'équipe attend au dernier moment, et lorsqu'ils se décident, souvent il ne reste plus guère de temps et il faut vraiment faire très très vite. C'est quand même très intéressant pour les spectateurs de voir ces équipes travailler sur les voitures. C'est une ambiance un peu de kermesse que l'on retrouve, parce que vous avez à côté des mécaniciens des voitures de course, vous avez des stands avec les sponsors qui ont préparé des stands d'accueil pour leurs invités. Enfin, bref, le rallycross, c'est sur la piste, mais c'est aussi avant, avec un air de fête.